précédemment avec Truffy sur The Walking Dead. What the fuck's the problem? Ben! No! Drop it! I didn't mean to. It wasn't supposed to be him. Oops. Just figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. I'm leaving. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Bitch, hell no! Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! You're useless, Lee! Et maintenant... Je me suis fait expulser comme une fillette. Let's focus on the train. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Avec cette foutue photo. Ouais, c'est vraiment la merde. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Bah, dans le train, c'est déjà plus sûr qu'un camping-car, j'ai l'impression. Mais le temps est compté. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Et tu veux aller avec un contaminé sur un bateau en pleine mer? Je peux plus bouger. Mon cul a été... Ah, si. Mon cul était paralysé par la chute. Bah, en même temps, j'ai dû me péter le coccyx avec toute cette merde. Oh! J'ai mon stylo, moi. Je peux aller faire les... Je peux aller gratter le papier, comme Clémentine le faisait avec les feuilles. Non, pourquoi je me suis rappelé ça? Dans mon enfance, je le faisais. Vous aussi, non? Frotter des feuilles. Frotter du papier. Frotter du papier, tout le monde le fait, même aujourd'hui, hein, en étant adulte. Allons voir ce que ça écrit. Si c'est marqué, imagine, tu fais ça, c'est marqué pénis. Ah non, non, c'est pas marqué. Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je ne comprends rien du tout. Bon, attends, est-ce que je peux revoir mes notes d'une certaine façon? Oui? Non? Comment fais-je pour revoir mes notes? Ok, les notes, montre-moi les notes. Ok, 6 c'est quoi? Oh, c'est les chiffres ici. 6 c'est ça. Moteur. 6. Il faut que je trouve le 6. Ok, c'est comme... Ok, regarde ça, c'est... Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Ok, comme une chanson. Non, mais je voulais faire Baba au bab. Ok. Baba au. J'ai oublié. Baba au haut. Bas au bab. Ok. Baba au haut. Bas au bab. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ensuite, le 5, c'est quoi? Montre-moi. Mais regarde pas comme ça, Kenny. Ça. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est ça, ne me regarde pas. Ça me déconcentre, comme quand je fais pipi. Tourner à... Je ne sais pas, aucune idée. Horizontal, vertical, j'imagine. C'est 5, c'est ça? Non, je veux pas... Ah. Retourne là-dedans, Lee. Non, je veux pas travailler, mec. Hors de question. J'en ai marre de faire le nègre dans cette maison. Enfin, je veux dire, dans ce train. Enfin, dans ce groupe, quoi. Ok. C'est vertical, je crois. Hein? Je peux pas toucher ça? Comment se fait-ce? Pourtant, ça, tout est bien mis. Je veux toucher, mais... J'arrive pas à toucher. Non, non! Ne t'en va pas. J'ai vu ce que tu comptais faire. Attends, voyons voir. C'est 6 puis 5 comme étape. Donc, c'est techniquement ça. Comment se fait ce que je ne puisse pas tourner ces choses.
On va aller voir les autres étapes qui doivent être ailleurs, puisqu'il s'arrête à 8 ici. Sûrement là-dedans, dans le... son côté. Il faut tout ça pour faire démarrer un train? J'ai jamais vu quelqu'un de la CNCF faire ça. Ok, ça, ça sert à rien. Tant d'animations inutiles. Ok, attends, il y a combien de trucs? Ça doit être celui-là, le placard. Ça pourrait pas être marqué moteur en gros quelque part. Ce serait plus. Ah, voilà. Si, 9. Montre-moi. À gauche et à droite, ok. À gauche. Et à droite. Et à droite. Oui, j'ai compris, Lee. Je suis pas. Et pourtant, je sais monter à me obliquer à vous, le savez tous. Vous savez que Castorama, tout ça, c'est mon dada. Mais ça, faire marcher un train, je suis pas ingénieur, je suis un littéraire, moi. Un let's player maintenant. Je veux dire, quoi? Ça devrait marcher, j'ai bien fait Baobab ici. Je comprends pas. Allez, voltage. Au voltage, oui. Haute voltage, même. Pourquoi ça ne veut pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas tourner ces choses? J'ai beau appuyer sur les boutons, rien ne se passe. Je suis un mouton. C'est la chanson du train. C'est mon train-train quotidien. Je l'ai bien fait au moins. Je suis désolé, ça doit être chiant à regarder. Baba, oh oh, baobab. On va voir si c'est bon. Arrête de regarder tes notes, Lee. Baba, baba, oh oh. Ah, bah, hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Son of a bitch! Whatever you did, let the dash up! C'est pas une façon de me remercier de me dire fils de pute, Kenny. Ok, donc ça marche maintenant. Boop! Boop! Now we're talking! Ouais, on parle sérieusement là. Ok, je peux aller faire marcher cette merde. Quoi qu'il arrive. Cette merde. Mais j'aimerais d'abord, avant de faire marcher ça, il me faudrait sûrement décrocher. Parce que si le train se met en marche, c'est forcément ce truc là qu'il me faut, cet outil de malheur là. Le presse-noisette. Ouais, regarde comment il tient là. Oh, je connais cet objet, mec. Tu sais ce que ça me fait, moi. Ça me fait de drôles de sensations en bas de... Oh. J'arrive pas à être drôle après tout ce qui s'est passé, c'est pas possible. Je peux pas rire de la situation. On dit souvent que c'est tout ce qui nous reste, le rire, mais... Doug, tu es sans pitié par cette garce aux ovaires. L'attaque du camp en premier lieu, mais le pire c'est Doug. Hein. Doug qui se fait mort. Il n'y a pas moyen que Doug survive, je veux dire. S'il n'y a pas de syndrome, on va pas tomber sur un scientifique qui a trouvé un syndrome, sinon ça arrêterait les jeux. C'est pas près d'arriver. Eh ben, si on a besoin de beaucoup de force, on a qu'à demander à Ben. Ce gamin a l'air plein d'entrain et de vigueur, plutôt que de s'asseoir par terre et de servir à quelque chose, mais non. Bon bah ça va être gauche-droite, j'imagine. Ouais. Gauche-droite. Gauche. Poup. Engine ready. Et droite, c'est bien ça. Hein. Oh, maintenant on peut m'appeler Monsieur SNCF, s'il vous plaît. Appelez-moi Monsieur Tron. Holy shit, we're going. Eh ouais. Doc, cependant, ça fait du bruit, c'est vrai. Mais bon. Yeah, we are golden. Feels good. Pour une fois, ouais. Let's fucking enjoy this. Faisons un pique-nique. Mom, let's see if she'll move. Bah non, puisque j'ai pas réussi à décrocher cette merde. Mais bon, peut-être que tu vas le décrocher comme ça. It's all yours. Vraiment? Comment je suis censé? Ok, s'il y a que celle-là. That's the throttle. Je ne pense pas que ça va... Non. Damn it! Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. T'es pas obligé de dire ça comme un enfoiré de négrier. Pas possible. Est-ce que j'ai le bon outil? J'en sais rien. Je pense que oui. J'en sais rien. Franchement, au point où j'en suis,
Je vais essayer toutes les possibilités. Je veux juste faire démarrer ce train avant que n'arrive qui que ce soit, quoi que ce soit. Ce serait la pire chose qui puisse arriver. Excusez-moi, juste une petite pause pipi. Reprenons. Je sais même pas pourquoi je vous précise ça. J'espère qu'avec cet outil ça va fonctionner. Oh non, enlever le pénis de son orifice. Enfin. Hey Kenny, we're loose. Comment il fait pour t'entendre d'ici? À vrai dire, je pense pas qu'il t'entende de lit, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a vraiment réussi à détacher un train? Est-ce qu'on va faire genre tchou-tchou? Tous ces trucs de. Ouais. Pourquoi tu regardes ça maintenant, Lee? You touching my stuff? Oh, bonjour, mon bon monsieur. C'est pas moi qui ai fait les traces de freinage sur le matelas. Mon dieu, tu as l'air très menaçant. Et sale. J'ai pris une carte ferroviaire. Ah, c'est très gentil. T'es un conducteur? I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Oh, Charles. Enchanté. If you're fancy. Lee. Charles. Is that your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Pareil. Him too. Sa moustache t'impressionne, pas vrai? Through here. I thought about scaring the pants off. What? But I couldn't force myself to do it. Qu'est-ce que t'allais faire? You're still montrer tes dessous de vêtements? Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warm to me right quick. Ok, tu t'es déjà présenté, donc je suis le dernier à te connaître. Et qu'est-ce que t'as voulu me faire, un monsieur pendant par derrière? You met Chuck. Yeah, I did. Ça va être un bon it's gars. So nice to meet someone normal for a change. He gave us candy, Ben too. Voilà. Hop. Ben Bieber, ce gamin. C'est ça, mange tes bonbons. Fais pas cette tête d'ahuri. Tu as des bonbons? Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. Je t'aime bien déjà, Chuck. Ah, c'est vrai, mais il y a quelque chose de positif et toujours un truc qui contrebalance. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. Sauf que c'est pas un rhume. Ni. And I can offer y'all whatever I got. Although it ain't much. Hein? Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. C'est vrai. En plus, tu as une guitare. Tu pourras nous jouer quelques chansonnettes. Genre... L'éloge de la grande moustache de Kenny. Ou comment Doug est mort. Doug. Et je te ferai un a cappella, d'accord? Surtout que j'ai une voix de blague. Je préfère Barry White. Tu serais mon... Comment... C'est quoi un guitariste? Joe Satriani? Sauf que toi, tu as des cheveux. Hey, Chuck. Allez. Tu joues bien de la guitare. J'aime ton doigté. Pardon. Pourquoi es-tu seul? Where are you from? You live around here? Georgia boy. You saw where I live. Ah. Donc tu es un SDF. Why are you alone? Why not? Seems to be doing all right. Fine, then. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. C'est sûr que vivre dans un train... You caught us on a bad day. Quoi que ça peut être pas mal, hein. Ah, c'est Clémichou. Toi-même, tu sais. Oh. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Continue à me bercer avec tes airs mélodieux. Chuck, bienvenue dans notre groupe. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un de nouveau, mais... Je sens qu'il va mourir comme une merde, comme tous les autres, de toute façon. Tous ceux que j'apprécie vont mourir. Sauf Clémentine. Ah. I'm sorry about the RV. C'est vrai. I'm worried. Cette salope really de Lily, quand même. Out here now. Je la déteste, vraiment. Put some time into this train. Worst comes to worst. Boxcar safe enough to sleep in. I better get back to it. Le problème Duck est loin d'être résolu, cela dit. Hein. Oh, bah. Duck, il a disparu. Quoi? Ah. Robin a disparu. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train.
What do you think? Allez, tu manges tous les biscuits. Fais pas ta tapette. Hein. Quel bipper. Je vais aller voir Kenny. So that's it? We're cut loose? Apparemment. Seems that way, yeah. Great. J'aime te voir sourire. We don't got much left, so avec ta moustache. Whatever you have. Let's go. C'est parti pour le voyage. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. And find anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Tu donnes des coups de guitare? Doc's sick. Ah. Get on the train, Clementine. C'est un fait, il est malade. He's getting sicker. Let me look at him. Oh. Je suis pas médecin, mais... Is the train really a good idea with Duck like that? Maybe we should focus on one thing at a time. C'est pas faux. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Bon Dieu, je peux pas lui en vouloir d'un côté. C'est son fils. C'est Duck. C'est vraiment triste, hein. Cet épisode est vraiment triste. Je suis désolé d'être final. Mais au moins vous avez la moustache de Kenny pour vous réconforter. C'est parti. En avant vers de nouveaux horizons et cette fois, je l'espère, bien plus positif. Mais on a un train. Comment veux-tu que je ne sois pas excité, hein? Il y a toujours quelque chose pour me... J'ai une poussée de bonheur, de joie, de positive attitude, et tout de suite, j'ai... Kenny qui tire la gueule, ou le rappel que Doug va mourir, ou se transformer. Oh mon Dieu, il est vraiment creusé. Waouh. Il était tellement joufflu comme un petit hamster. Oh! Est-ce qu'on va poutrer des zombies comme sur la vignette? Avec du train. En plus, on a un beau pare-choc là. Comment tu vas, Clemaychou? Après tout ce qu'elle a traversé. Gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect. Ben Biba. There were more of us. Dad get them? Plus ou moins. No. Pas tous. Ah, living got them. Lee. Oh. Lee, I need you. No. Right now. Duck. Go get Ken. What's up? If you get that off his face, my hands are full here. Ah, bien sûr. Oh mon Dieu. Thank you. Could you just get that off his face, please? Duck. Robin t'en a foutu partout. Plein de foie gras partout. He's out of time. We need to stop this train. Non. Okay. Please. Pourquoi on a commencé? Oh mon Dieu, laissez-moi parler un peu avant. Faut que je dise à Clémentine que les choses. I'm gonna go get Kenny. Hold on tight in case the train stops fast. Hein, Chuck, tu t'arrêtes, hein. Enfin, tu. I'm gonna get this train stopped right quick. Tiens-toi bien, Chuck. Stop in the train. Stay put. Okay. Bah, arrête de faire ta... Faut vraiment te couper ta frange pour que t'arrêtes de te comporter comme si t'avais des ovaires, Ben Bieber. Quel gamin, pas possible. Je sens que ça va pas bien se passer avec Kenny. Ça m'étonnerait qu'il veuille abandonner son fils. Enfin, on va pas l'abandonner. Quelque chose me dit que ça va vraiment mal se passer, être fidèle. C'est parti pour faire la voix de Morgan Freeman, mec. La voix du négociateur. La voix de la raison. On va parler, toi et moi. Dans ma main, téton contre téton, moustache contre moustache, et tu vas m'écouter. Ce serait marrant que je puisse freiner le train d'un coup. Oh, je peux le tripoter. Get your hands. Allez, je voulais juste un peu d'affection, mec. No, you're gonna listen to me. Your wife and parfaitement, elle a besoin de son mari. Make sure you stop this train. The hell you will. We're getting to the coast, and Duck will pull through. Stop the goddamn train and come deal with this. Maybe.
Je vais te forcer, moi. Tu vas voir ce qu'on va faire, toi et moi, on va se mettre tout nu. Tu veux pas avoir affaire au Black Mamba, Kenny, non. Tu veux pas avoir affaire à ça. Calme-toi. Calm down and... How the fuck do you calm down after a day je like sais, today? Je sais. En se faisant défoncer la gueule. Non, en parlant à ton ami. By talking to your friend. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. On peut pas. C'est sûr, mais il a été mordu. Jesus, Kenny, c'est fini. Making it worse. Fini. Arrête le train. Stop the train. Stop it, goddammit. Espèce de tête de mule. Grosse bourrique. Sinon, on va se mettre nu à nu, encore une fois, je te l'ai dit. On va se battre dans la boue. Arrête ton cirque. Knock this shit off. So, you wanna fight then? Non. Je veux pas me battre. Je veux simplement parler. I just wanna talk, Ken. Relax. J'aime bien comment tu le chauffes et après tu lui donnes des... combien de fils vas-tu laisser mourir? Non. You think you're the reason Duck was bitten? C'est ça, Kenny. Je suis ton psychologue, raconte-moi tout. Arrête de ne penser qu'à toi. Pense à ton fils. Pense à ta femme. Stop thinking about yourself, man. You feel guilty. Like you killed any chance of a miracle for Duck when you ran away from Sean Green. Sean. Il y a trop de personnes bien qui sont mortes. About you. It's about a woman back there who needs her parfaitement. Husband and a boy who needs his dad. Ça, c'est les mots qu'il fallait. Hell yeah. Oh, tu peux me regarder avec cette moustache pleine de... de dépit et de colère, mais... C'est pas exactement comme ça que j'aurais aimé que ça se passe, mais... On n'a pas le choix, vraiment. Ce jeu ne s'adapte vraiment pas au choix que l'on fait. Il te pourrit jusqu'à la moelle et te fait pleurer des larmes de crocodile. I think it's time. Tu m'as ouvert la joue, Ken. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Mec, il a l'air de rien avoir à foutre. Prends ton temps. What do you need? I gotcha. C'est horrible. It's time to... Oh, this is not possible. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. Oh no. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Cat. If you think of one, oh, no. You let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know, but we know it's here or nothing. Well, fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No, you don't have to. Laisser faire ça, entre... Gotcha, fuck. I can. I can do this. Tu peux pas, Kenny. You can't. I love you, Ken. Toi non plus, Ketchup. This is beyond you. I'll do it. No, it should be apparent. Ça devrait pas être personne. Personne devrait avoir à faire ça. He's right, Cat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know, Lee. You'd be doing this family a great service. D'accord. Why don't we take him into the forest? C'est le moment d'être Batman. Clementine doesn't have to see. Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. On va dire au revoir à Robin, hein? Vraiment? Tu es un enfant dans un jeu? Maintenant, je suis plus sûr si Clémentine va survivre ou pas. What's happening? Calme-toi, Trophy, tout va bien. Pardon de vous montrer ça, mais... J'aime pas du tout ça. Gonna take care of Doc. I thought he was going to die. Oui. I'm putting him out of his misery.
Je suis obligé de lui dire au revoir. Yeah. Tous lui dire au revoir. Look, Claire. Things are. What the? No! Oh! Ben, take Clementine into the train. Go. Bordel, it'll qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Non, pas plus de cadres, s'il vous plaît, stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi, lui. Oh. Oh. Non. Cat, cat, gotcha. Qu'est-ce qui s'est passé? Why, cat, honey? Fucking God. Oh non, vous dites pas qu'elle s'est tirée une balle. Me dites pas ça. Non. Oh Dieu. Oh my God. C'est tout ce que j'arrive à dire. Hi. Oh Kenny, merde. Non. C'est pas possible. Cet épisode est déprimant. C'est beaucoup trop déprimant pour moi. T'as pas à faire ça, Kenny. What do we do? Give me the gun, kid. Y'a pas de question à se poser. Donne-moi ce flag. Donne-le-moi. Et pars. Désolé, Doc. On a passé des bons moments ensemble. T'étais vraiment un gosse génial. Je suis désolé que tout soit arrivé. Je suis désolé. Comment on fait pour s'attacher autant des personnages fictifs? Faut être émotif comme moi pour ça, j'imagine. Je suis désolé de chialer. Vraiment. On pourra pas dire qu'il n'y a pas d'émotion dans les Let's Play de Trophy. Ah.